Shalom bien-aimé dans le Seigneur, topé semino mbote na komo na Yesu Masia. Encore une fois, shalom na mabota. Bino ba obola na biso na école de disciples, na formation na biso ya affermissement. Nzamba mona bino, apisa bino loboko, afin que tous à la bana nzambe tant nous tous à la affermi. Voilà pourquoi to tomboli nzambe, ou apisa biso encore un peu de vie pour te to pousa na pembe na bino. Tika ete nzambe na biso azwa lokumu, yambo to banda émission na biso bien-aimé dans le Seigneur. To kumisi nzambe oya pesi biso moment oya malamu ya kokota na kati na formation na biso to bondeli nzambe. Éternel notre Dieu, nous rendons grâce à ton nom parce que tu es le Seigneur, tu es le véritable, tu es le tout-puissant, tu es le roi des rois nzambe. To pamboli munene na yo, to dédié moment na biso o to linto banda mate na biso sur la formation des disciples na maboko na yo, zala nzambe parmi nous, zala Seigneur au peuple solo boko afin que kimia na yo ezala partage na biso to invité Saint-Esprit na katamite na biso accompagner biso na kombo na Yesu Masia. Encore une fois shalom to pese bino mbote na kombo na Yesu Masia. Bino bat bozana Amérique, bino bat bozana France, bino bat bozana Asie, bino bat bozana Europe, bino bat bozana biskano son Afrique. Nzambe na biso amona bino pe bino bo particulièrement bino bato bolanda ka biso na émission na biso ya école de disciples. Bien-aimé toza na série ya ba affermissement o tozo pesa pona koyeba koyalanda nkolo na biso azali nzambe toza na 4 na série na ba affermissement et lelo tozali na 3e affermissement oyo toko pesa pour que toyeba ndeni ko konté kozala biti ya affermissement ezali pour que tous à la mature to lobela ki na premier affermissement pe to lobela ki deuxième affermissement lelo to kolobela deuxième affermissement troisième affermissement o ezali sur la croissance chrétien bien aimé lokola mwana bota maka akola ka bapesa ka biloko o ko permettre ye akola akoma mature akoma pe mukolo pour que ye pe enseigner bato msusu. Voilà, bit ya affermissement tozo pesa na mukona lelo. La croissance chrétienne, bien-aimé, comme par définition, la croissance chrétienne ou développement d'une personne ou d'un objet. Croissance, c'est ali in développement ya mutu to eloko moko ezoko kola, bien-aimé. C'est le changement. Croissance pesa changement, c'est-à-dire nazalaki mutu na yebi lokote, metta on a yekoli na yebi. Nazalaki muto na banaki ko yeba malamu te metan na yekoli na yebeza changement na vie ya muto. La croissance ezali changement na vie ya muto. C'est aussi le fait de croître physiquement ou mentalement. Ezana batu mususu intelligence na kat intelligence mentale bonzambe mayele zate esengeli pe la croissance ezana moko ne loko pe sala ke muta croître akola na mental na mayele pour être azala mutu ayeba ko sala différence. Les mots qui définissent la croissance ba mots eza ba synonyme eza par exemple la croissance aussi c'est aussi une augmentation c'est-à-dire nazala ki na connaissance te na augmenter connaissance sobre likambo moko boye. La croissance est sous soupe augmentation. La croissance est progression. C'est-à-dire que nous avons ça qui est le même pour progresser. Nous avons stable qui est côté. Nous avons un qui est là. Mais nous avons avancé pour que nous avons mutu peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un espace pour comprendre les choses que je dois faire, bien aimé. Donc la croissance est un peu aussi une extension et logo ba fongoli c'est-à-dire croître. Voilà pourquoi tozo lobela que la croissance c'est aussi une extension. La croissance c'est l'évolution muto bana ko lata bilamba te mais azui croissance a koli a pousa na lelo ko mula ta bilamba so ba bina muta tambula mutaka la otambula te eza mambwa so mais na tanga ba tambula muta lelo tozo na 20e siècle biloko ebele et croître makambo ebele croître to komina télévision to komina ba internet. Peut-être internet lobby na tokoma na 3G donc on peut dire aussi que l'internet est côté na kata croissance, télévision est côté na kata croissance,
tomana ko sala inerte na kat na television ya ko solano bo na Facebook le tozo sala ngo cela c'est à dire ma camionneuse on peut croître colli donc la croissance bien-aimé c'est l'agrandissement naza muke nazo lia bien na ko pe ko ya munene donc ba ba ko ba muto yo à croître na kat na bo moinae bien-aimé la croissance c'est aussi la multiplication. Sadi nazanga moko na bali to boti mwana to bati bana to boti bana to zo se multiplier, c'est ça aussi la croissance na terme ya mathématique, donc la croissance c'est la multiplication aussi. Bien aimé, la croissance par définition c'est aussi le développement. Mutazala ki mwana muke azo kola po azo lia bien, azo ya santé, misunye zo kola, nzote zo te kola, azo koma mutu munene, akomi mubange. Donc, c'est-à-dire, il s'est développé à bani étape zéro, tiye memi une étape songolo. C'est aussi qu'on appelle la croissance. Mais selon la Bible, bien-aimé, la croissance ezali nini. Toye konango. Par contre, la croissance selon la Bible, bien-aimé, ezali développement spirituel. Toko ko kola na nzoto. Toko ko kola na intelligence. Mais la croissance au Bible zo lobana biso elingeli biso ezali un développement spirituel d'un croyant dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la prière. C'est-à-dire tant que zo loba un chrétien doit croître, un chrétien essaie à développer, un chrétien essaie à s'épanouir. Ezali na terme ya kolobela ke mondime sengeli a se développer spirituellement na kati ya connaissance ya liloba na Nzambe na kati ya losambo. Mo Kristu oyo ayebi liloba na Nzambe te atikala toujours bébé spirituel. Abana ko sutuka toujours makamu na bomoi na ye. D'où mo Kristu esengeli ayeba losambo, ayeba liloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe ne ko permettre aux ana ba assurance na bikisami. Le roi te roule qui l'obé l'assurance du sali. Par rapport à la parole de Dieu, tu as compris que tu as dit que tu as assurance. Par rapport à la parole de Dieu, tu as compris que nous avons pardonné le péché. Par rapport à la parole de Dieu, tu as compris que il y a un royaume réservé dans le bateau bandimi Yesu Masia. Par rapport à la parole de Dieu, tu as compris que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu as quatre dans Jésus. Par rapport à la parole, nous devons comprendre que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et par rapport à la parole, nous devons comprendre que celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, il est déjà condamné. Nabato bandimeli Yesu te bazali condamné. Donc un chrétien, avant à croître, et sengeli à croître spirituellement, na kati na losambo pe na kotanga maloba na Nzambe. Na kati ya bonzambe, il y a la croissance visible. Dans la croissance visible, par exemple, Yesu na âge il y a 12 ans, Bible les Hommes analyse chapitre 2, verset 52, et l'obi, Jésus croissait en sagesse, en structure et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Spirituellement, ou ça physiquement, il faut que tu colles, à Zanzoto, à Zalaimouana, colli. Mais tant qu'on a zokola, na zokola kana nzoto te, na zokola na mayele, na structure, na zokola na grâce ya Nzambe, yaonde to zobenga o mundi mesengeli accroître spirituellement, o zobenga la croissance chrétien bien-aimé. Et la qualité de la croissance bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc chapitre 2 verset 42, kuna to kotanga, or l'enfant croisse et se fortifie. C'est fortifié où? C'est dans la prière que nous devons se croître. Na kati na prière ne tous aliko se fortifier. Bonzambe eza bonzambe ya l'église ite na bene la toujours. Na bana bino bandeko bolandanga koza na bonzambe eza te ke naza na kati na église mais bonzambe sengeli ngana croître dans la prière. Na le Satan e na kati na prière, na le Satan na kati na kotanga maloba na Nzambe po na kola. Ya onde bileyo sala ke molimo e kola. Eza ba mapate, eza fufute, eza lo sote, ne okola, me soki ozolia bile ya molimo, e ozala malamu, mpote okola malamu. Donc, dans la qualité, ya croissance, e sengeli mutu, aye ba ete grâce ya Nzambe, tozo kola par grâce ya Nzambe. Yango mounkanda na Luc chapitre 2, verset 40, lobi, or la fa croise, e fortifié à la prière, il était rempli de sagesse, c'est-à-dire la connaissance, wana lik ba da zolo bila yesu, l'enfant
croissait, se fortifiait. Se fortifiait en où? C'est dans la prière qu'il se fortifiait. Il était rempli de sagesse ou dans la connaissance. Oh, la connaissance, on a quatre namalbananzambe. Nous allons apprendre la connaissance ya bonzambe et la grâce de Dieu était sur lui, c'est-à-dire quoi kati na molimo. Donc il y a trois éléments où ils ont permettre mutu akwate na qualité à malam. Premier élément of sala o akwate na qualité à malam, ils allaient la prière, ils allaient premier élément au sala été yo chrétien au kola malam, parce que tant aux bonde là. C'est-à-dire nous avons toujours une liaison permanente yo na nzambe. Lokoy ami balé ko sala été croissance dans la qualité la connaissance de la parole de Dieu. So vous en a connaissance, lokola Yesu sa na connaissance, Satan yé liboso na Yesu, alobi été so za mo na nzambe za na nzala, bongo la mabango ko mamapa. Alors, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche. Ça, c'est la connaissance que Jésus avait. Si elle n'avait pas ça, à quoi on va dire, oui, nous avons un bon la mapa. Mais comme il avait la connaissance, il y a nzambe, il était sûr et certain que l'homme, à quoi on vivre quand on a malobate. Le troisième élément, ça a été qualité à quoi on a bonzambe, bon zambé, mon limo sante singele, à la permanente à bon moinayo. Que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dirige, quand le Saint-Esprit te donne la joie d'être un enfant de Dieu, au titre que l'espace dans le Molimo Santo, a coordonné ma problème, a dirigé yo. C'est alors pour vivre la main de Dieu, pour permettre yo, nakati, na la prière. Voilà pourquoi ces trois éléments, c'est dans la prière que tu vas te fortifier, bien-aimé, et c'est par la connaissance, yako yeba lobananzambe, que tu vas prendre la sagesse. Parce que la sagesse vient par la connaissance. Donc, l'esprit, il va t'amener na grâce ya nzambe pour te comprendre. Bien-aimé, notez bien, bien-aimé, la prière est la base pour la croissance. Notez en malam. Sans prière, au kolate. Zoaka tana yo mouwe au kota. Kose la prière à batonyo sauté. Ozana tana yo na moi peut-être ozana tana yo okokota mabondeli okosambela nzambe okoyoko pousa na pembe na nzambe opona oyebise ba situation na yo. La prière c'est une base. Matthieu chapitre 21 verset 13 ezolo bana biso, il est écrit ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Donc, le sambo ezali important na kati na vie ya moto. Koko misanzoto oyote, parce que la maison de Dieu, la maison de Dieu zayo, parce que Dieu il t'a créé à son image, ils ont permettre yo, au pousa na boso na nzambe, au comprendre que notre Dieu est là, et je dois toujours prier na makam na ganyos. Donc, la prière, tout le belango na nou, moi mouke, la prière, en général, la prière, et l'acte par lequel on s'adresse à Dieu. Tozan a moyen mususu tant que ma chrétien biso, tozan a moyen mususu te oyo tokoki koyebisa nzambe si ce n'est que la prière. Na canal ya prière, on s'adresse directement na kat na nzambe. Na canal ya prière nendo formuler ba devoir pe ba blo na biso nyoso il boso na nzambe. Donc la prière en général c'est une canal qu'on s'adresse à Dieu, à une divinité pour s'exprimer l'adoration. Na kat ya prière T'osais exprimer l'adoration, t'osais exprimer la louange, t'osais vénérer la sainteté de Dieu na kat na prière nzambe kumbama. Ça c'est nous vénérons notre Dieu na kat na prière. Prière zaka prière ba demande te. Prière t'osais na prière ya louange, t'osais na prière ya vénérer nzambe, t'osais na prière ya adoration, t'osais na prière pour na quoi adorer pe pour na quoi vénérer la grâce, la vénération de la sainteté de Dieu par l'action de grâce, bien-aimé. Donc la prière est à ma âme. Prière, bien-aimé, c'est parler, partager à Dieu. Na kadna prière, so voyez baate prière, ils a ko sola na nzambe, ils a ko partager na nzambe ba problème na ye,
ba problème na yo partager en panzambe na kat na humilité na kat na charité na kat na confiance alo ba ete na problème na ngozo tumsanga na yebisi ya nzambe pour que nzamba sala moi loko esunganga na kat na bomo inanga donc banka munyo so to kosana prière photo sala ngo avec l'onction de la foi ça la foi bien aimé pour ça la prière mogezangatina tant aux bonde là il faut la foi ezala na kat na prière na yo parce que prier c'est dialoguer aussi avec Dieu tozo solanengo solana mundu obeta masolo mon cher mon ngana na problème moi mikolo mon ndenge na zo vivre na za ba situation c'est ça ce que nous on appelle dialoguer avec Dieu la prière bien aimé c'est converser avec Dieu ko solo la dialogue li solo yo na nzambe qu'on converse avec Dieu spirituellement dans la Bible décrit la communion avec Dieu par la prière et l'activité le plus élevée dont l'homme soit capable. Na kat na Bible ezalinde mutu aza capable pona kobondela Nzambe lokola mukanda na Jean chapitre 4 verset 24 zoloba. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Na koya na kat na prière te Nabaloba mensonge, n'aibi que vérité za mususu, mais n'a pas nazo loba vérité mususu, za malamte, c'est un péché. Et fait que Dieu n'écoute pas automatiquement chaque prière. Donc il faut venir dans la prière, il faut venir avec la sincérité, ya mutema pour que Nzambe ayoka yo, pe a exaucer prière na yo. D'ailleurs, Esaïe chapitre 1er, verset 15, zolo baboué. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez le prière, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà. Na kat na prière et loka libosse zani, il faut la sincère. Soza sincérité, nzamba zolba, il va détourner son regard pour que ton bama boko na biso, il zana makila. Voilà pourquoi, na bonne la pona lika mounzamba yoka angote. Parce que na, il faut na bananan ko repare nga na nzambe. Vraie prière, ezali. Il faut le quoi la te quoi le pardon, il faut demander le pardon à Dieu. Veux prier les anal bosso na ko wela ko sengate nanu o bon sina nzambe te. Nanu o changer le kambozo lukate. Sokyo bandi nzambe pesanga nzamba zo mona barrière bosso na yo ya péché akoluka ko sunga yote. Yango Jésus aza ko encourager batu ba persévérer na kat na prière Luc chapitre 11 verset 5. Aza ko sa batu bo persévérer dans la prière. Et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qu'il était, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains basés sur la confiance à un Père céleste plein de bonté. C'est-à-dire, cet ami, à l'obi, defsanga mapa, soka tungi si emi ngatande kwa l'obi, nazana ngote, ndeko wana kopesa, parce que insistance, à quoi insister au tchèque qui m'a notre Père aussi, tant que tu es sincère, soit tu persévères dans la prière, Nzambe, à côté de la bisote, pe à côté de la bisote, le bok. Le coup de Matthieu chapitre 7, 7, Zoloba, tu senga, Nzambe, à côté de la bisote. Donc nous avons le besoin à côté de la bisote, mais avant tu senga, tu es sincère dans Nzambe. Tu es le long mot qui empêche la bisote comme barrière. Prière, les amis, qui ont exigé tout d'abord l'humilité, bien-aimé, dans le Seigneur. Na prière faut zala humilde, ils en a battu bien humilde te. Il faut zala humilde et repentance. Et c'est là zala humilde, peine zala sincère, alors ben aille reconnaître que nazamu tu n'as pas na prière. Soko lingo sala prière à malamu, reconnaître que n'as péché, nous reconnaître ba erreur, reconnaître que le camou na sali en malamu te, reconnaître que le camou na lobaki en malamu te, reconnaître que loko na simba ke zaki angate mena bote la ngata batuni ngana lobi loko te. Wana de prière nous allons qu'on exige, likamba liboso, zala humilde, mikiti sa o reconnaître, soko reconnaître te, même nzambo akeli yo, akomona yo malamute. Yango Bible zolo banamso na Luc chapitre 18 verset 10 lobi, des hommes monteront au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Bato mi baleto bi histoire, bakomi kuna, o yazala ki humilde te, abandi ko lo banzambe nga zala ko la oyo te. Te. Nzambe ayebi bato. Mais mutu azala ki publiqué à l'obin Nzambe nazamu tola masumu a reconnaître masumu naye a ndimi masumu naye aza humilde devant Dieu il faut être humilde cause la pomba eza malamute mikiti sa so mikiti si au prière na yo sambela Nzamba koyoka ngo
Mais si vous avez un comique qui s'est dit, vous allez m'acquérir le temps de la pamba pour être en zamba ou la prière. La prière exige la simplicité, bien-aimé. Il faut être simple pour que ta prière soit exaucée, bien-aimé. C'est simple, c'est compliqué, ma camouté. Vous compliquez ma situation, vous compliquez ma situation, il faut prier dans la simple. Matthieu chapitre 6, verset 5, et Zolobayango. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bonne la cause à l'hypocrite. Quand ça, la netteté, Cause la hypocrisie dans la prière, bien-aimé. La prière exige la simplicité, ça la simple. Cause à l'oko la pharisien on ante. Nzambe nza l'oko la muto yote, muto masumu te. Ça la simple ya koye banzambe, ozala na katikati na bonzambe. Na fermissement, otozo landa comment croître la croissance chrétienne, bien-aimé, la croissance chrétienne au sein la kamal bosoto lobeli, la prière. Yeba ko bonde la nzambe. Na kad na prière, ils ont exigé le pardon. Pardon, bien-aimé, dans le Seigneur, ils ont moko ya biloko, oyo e sungaka bonzambe makasi. Mouto a ebi ko pardonne, mouto a ebi ko limbisa, aza mouto a kenara liboso. Mais mouto a pardonna gate, oye bite na boudou tango la rambamso koufi. Siko o kenara li felo, mais il faut savoir pardonner les autres, bien-aimé. Yeba ko limbisa. Tango oyebi ko limbi sa pe yomo ko koyeba ko senga pardon, c'est vraiment important. Ya koyeba ke pardon elongolaka makambo ebele lokola Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 18 alliage 21 ezoloba. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre toi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Quelle a été la réponse de Jésus? Ceux qui n'ont pas limité 7 fois, ils ont limité 77 fois. Et ça, c'est combien? C'est 144 fois. Ils ont limité 144 fois. Il n'y a pas de limité ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Ceux qui ont limité ça, c'est prière dans le salle. Et au salle, c'est le bousso dans Nzambe. Nzambe, il y a toujours une barrière entre eux. Tout le temps, il y a Esaïe. Esaïe a l'obi. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Kozanga ko pardonner za lokola muta bomi muta za na makila na maboko. Et sengeli koyeba ko pardonner soko lingi prière na yo za la malam, tala ba condition prière exijaka za la muto yo olimbisaka. Za la muto lisusu ozali ko zela réponse pa na Nzambe. Il faut aller dans la position, il y a attente, il y a exaucement, il y a likambo yo sengi. Matthieu chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez accompli. C'est-à-dire, tout ce que nous allons demander en priant, nous devons espérer que Nzambe na bon moi a kopé sangai, peine à quoi accomplir dessein au Nzambe à sali pour tenati nananga. Donc, la prière exige une attente, il y a exaucement. Dans la précédente, il y a un Nzambe, 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 il y a un parce que je fais des prières. Il faut Nzambe, des réponses, et pas y a un Nzambe, il y a un Nzambe, prière. Il faut que devancer Moutou, il y a un Nzambe. Bien aimé, la prière que n'est qu'un expédiant obtiendra. Donc la prière où ils allaient expédier, y a mbang, ils auront éloqué à bouquet. Mais prière oyo, ils allaient par la foi qui se soumet à la volonté de Dieu obtient beaucoup de choses. Mutoaza basé na prière. Alors bien te j'attends seulement à Dieu. Na kat na kondima, c'est que j'ai demandé à mon père, il va me donner ça. Mutuana a rejoint ming. Mais mutoaza ka ke na sengi kanza me pesa pesa pesa. Mutuana o lugaye mo ba solution. Bien aimé, dans le Seigneur, la volonté de Dieu, ils ont été bisotos à la 4-4 dans la prière. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dans la 4 dans la prière, bien aimé, nous avons besoin de Senga. Ils ont possible dans la moto à Sengi pas un dima. Si vous avez un dima 4 dans la bonne moyenne,
tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras ce que tu demandes devant Dieu et kokusama ponayo. Na kati ya Nouveau Testament, Jésus encourageait les gens bas à la persévérance. Le Luc chapitre 11 verset 5 à 8 et le Yezo koma boye. Il leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il est le trouver au milieu dans le bail des versets oyo asenga e loko na milieu de abutu à cause ya persévérance mutwana ozala obligé à loba otungisinga mingi memaka lipakak. Donc nous devons être persévérants. Nakati ya Nouveau Testament, Christ a zombé ma biseau à la persévérance. Quand nous demandons quelque chose à notre Dieu, nous devons être persévérants et avec la foi d'attendre que Christ va nous donner quelque chose. Mais dans l'Ancien Testament, bien-aimé, au temps des patriarches, la prière était souvent décrite comme une invocation du nom du Seigneur. Donc, c'est important de comprendre bien-aimé. Les aspects d'une bonne prière. Pour prière, na yo ezala malamu aspect ni esengeleza nango. Soko ye biango te o nyokwama. Premier aspect, to lobeli sur l'humilité. L'humilité ya kozala humilde, liboso na prière. La prière est humilité. La prière est la chose qui dit à Dieu, je peux rien faire sans ta. Donc prière est le loko oyo esengeli yo oyebisa nzambe nganga nzambe na kokoke loko te soki yo nzambe osalite na kati na prière ozo reconnaître que ozana makasi te nzambe ne mutaza makasi esengeli asunga yo. La deuxième des choses oyeza aspect à prière ya malamu bien-aimé, il faut avoir la confiance tant on azo sambe naza na confiance que loko nazo senga nzambe opesa ngango. Prière faut même mama na confiance. Parce que la prière est la chose qui dit à Dieu, j'ai besoin de toi dans toutes mes voies. Proverbe Azoluban. Na kati na prière, est-ce que vous avez ensemble, mais na posa na yo, na likambo songolo pakala nzambe sunga, na likambo songolo pakala nzambe sunga, na libala sunga, na ba problème na nga musala nzambe sunga, na ba bana na nga nzambe sunga, nzambe tel ma pona likambo tel, bitumbonga nazo mona te, bitumbo makambonga nazo yebate, biloko na yebite, nzambe kota, c'est ça la confiance. Tant que vous pensez confiance et bosson en Zambe, Zambe pe akoya na katkati na bomo inayo. Aspect moussousou ya prière, ezali rapport. Et sengeli oye ba ete la prière, c'est un rapport. Rapport par rapport à quoi? Parce que nakat na prière, la prière est la chose qui dit à Dieu, j'ai décidé de partager avec toi mes problèmes. C'est un rapport. Et ça, c'est moi, c'est le temps que je suis là, je suis là, je suis là, je suis problème, je suis là, je partager yo na moi suis là, yo. Donc, je suis partager ma problème na yo, je suis partager ma désir, je suis partager ma joie, pe ma rêve, avec importance, je décide de partager mon temps avec Dieu. Et ça, c'est belé même le temps là, je suis partager ou dans embêté. Et ça, c'est important, c'est que je suis partager yo dans embêté. Et ça, rapport, 1 Jean chapitre 3, verset 3, et Zoloba. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons en vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Les disciples, ils étaient avec le Père, en communion aussi avec. Ils ont partagé leurs problèmes dans le Nzambe et dans Yesu Masia. Voilà pourquoi, dans la prière, il y a été aspect à Mimisatu, et ça, le rapport. Il faut un rapport dans le Nzambe, et ça sera toujours dans des bonnes choses. Aspect, nous sommes pour prière, nous sommes malades ou bien-aimés, et Sengeli, nous sommes moutou na kondima. Parce que la prière est quand même toujours na kondima. Parce qu'il y a des choses que tu demandes aux hommes en angoté. Mukanana Hébreux zolo banéona. Or la foi est une ferme assurance de choses que tu espères mais tu ne le vois pas mais tu l'attends avec fervente. Ozo zela yango kena ko zwa yango. La prière est la chose qui dit à Dieu, je me rends compte que tu es ici, je crois que tu m'attends et que tu me répondras. Yango to lobi na Hébreux chapitre 11 verset 6
et lobby foi et ali ferme assurance. Bien aimé dans le Seigneur, aspect oyo et ali tellement important. Le loto bien à Abraham père de la foi parce que andimaki likambo ya yebite ndeto yoko benga ye père de la foi. Aspect mususu oyo osala ete prière na yo za la malamu, c'est la charité. La charité, l'amour, autrement dit, les alikoloé alioko nyonso. Sokoza namour, l'amour est silikagate, l'amour est kangakandate, l'amour est fingagate, l'amour est nyoko la mouninga moussousouté. Voilà, bloko wala mouna na 2 Corinthiens, je crois, faisa la 12. L'amour, ça la bloko nyonso wana. La prière est la chose qui dit à Dieu, j'ai décidé de recevoir ton amour et te montrer mon amour à travers les temples que je passe avec toi. La prière est la chose qui dit à Dieu, j'ai décidé de recevoir ton amour et te montrer mon amour à travers le temps que je passe avec toi. Donc l'amour est important, bien aimé. Aspect à prière, pour la malamu, il faut prier et un amour. Vous avez décidé de vivre, vous avez décidé de faire un amour, vous auprès de moi. Tant que nous vivons ensemble, bien-aimés. Et ça, c'est comme ça, c'est comme la charité. Aspect, moussous, sixième aspect, la perception correcte de vous-même. Nous la correcte. La prière est la chose qui dit, je suis la création. Reconnaître ton état, que tu as été créé par un Dieu, que vous avez création et Nzambe azali créateur. Il y a une Bible, Zoloba. Aspect où ils perception correcte de vous-même, qui est une créature, une créateur. Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc, reconnaître que vous êtes créature, nous sommes créateur, bien aimé, notez bien, manque de foi. Ou manque de prière et de jeûne pourrait aboutir à une incapacité de chasse de chasser un démon. Ce que vous avez la prière était, vous avez la foi pétée, vous avez la moto, vous avez la incapable à ta démon à bandit, à yéroli moi na démon. À ta moi en casse à démon to l'homme. Vous avez la incapable à obenganaye. Démon zo bengana zo sekayo. Parce que vous avez la foi té, zo kabiloko to sala ngoza na foi. Et c'est dans la prière que tu as la force. Il y a encore ma barre ensemble. Le Seigneur le comprend. Il y a un Luc chapitre 9, verset 41. Lobby. Et vous le demandez-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ est Dieu. Voilà. Il avait la foi de dire ça. Na kati na mukana ensemble. Car la tête est chité, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur le comprend que la prière consiste et enchaîne la foi. Aux la foi, mais pour prier à la makasi, prière, ils ont consisté, ils ont quoi renfermé, ils ont pris la foi makasi pour être la foi et la prière son partenaire. Bilogo mi balé l'onguarate, baza ba partenaire. Ils ont loko la moisson en bas. La foi sans la prière, ils ont foité. La foi, la prière sans la foi, et loko mo ils ont. Bilogo la soba sans ils ont loko positif ou négatif, il faut loko mo bima. Donc il faut avoir la foi. Il faut aussi avoir la vie de prière. Si vous avez la vie de prière, vous êtes au col à tes bien-aimés. Et si vous avez la vie de prière, vous avez un moment particulier, vous avez un moment particulier, vous avez un moment particulier. Vous avez un moment particulier, vous avez un moment particulier. Mais devant Dieu, il y a un secret, vous avez un fond, vous avez un bien pour vous avoir un moment dans la prière, bien-aimés. Pourquoi devons-nous prier, bien-aimés? Parce que c'est un ordre. La prière, c'est un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, le dit, prier sans cesse, c'est un ordre. Donc, tant que vous priez, vous avez un ordre. C'est un ordre que nous devons prier. Il faut prier tant que nous sommes bien-aimés. Pourquoi nous devons prier? C'est un ordre. Pourquoi nous devons prier? Parce que la prière apporte la gloire au Père. Jean chapitre 14, verset 14, le dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est dans la prière que nous devons demander. Tu es en place, dans la télévision, tu ne peux pas battre. Tu ne peux pas battre. Mais c'est dans la prière.
C'est là que nous allons demander quelque chose. Et Dieu va nous donner ces choses à cause de ce nom. À cause de comment on a eu. Si nous demandons quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous avons confirmé ce bloc. Pourquoi nous devons prier pour recevoir certaines bénédictions devant Dieu? Matthieu chapitre 7, verset 7, l'obiango. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Bien aimé, les arabes, ils ont dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que 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 nous avons dit. Pourquoi tout ce que nous sommes là, bien-aimé? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, priait aussi. Il y a un des modèles, Nabiso. Le Fils de Dieu, c'est notre modèle. Donc, le coup là, il y a un des modèles, il y a un des modèles, maître, Biso, fait ce que nous sommes là, maître, il y a un des modèles. Il y a un des modèles, Marc, chapitre 31, 35, où il est vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans les lieux déserts où il prière. Donc la prière est ça. Oh, la Bible aussi, nous devons copier comment est-ce que tu m'as dit ça là. Comment? Pourquoi nous devons prier? Parce que la prière, c'est l'un des armes spirituelles. Moko ya ba arme onzamba pesibiso. Tous les armes spirituelles sont belles. Nous avons 9 armes spirituelles. Moko ya ba arme, c'est la prière. C'est dans la prière que nous allons renverser de puissance. C'est dans la prière que nous allons changer de problèmes aux perturbateurs. C'est dans la prière que nous allons conquérir le terrain autokokate. C'est dans la prière biso tokoye ba kokota pe oyebisa sa nzambe abunda akota bongisa ba situation ebeba. C'est dans la prière. Na kati ya sorte de prière autokosala so tangi na Ephésiens chapitre 6 verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans quatre sortes de prières, nous avons la prière de louange. Dans quatre prières de louange, est-ce que nous avons vanté Nzambe Nabiso? Nzambe Sala Boy, Nzambe Koksa Boy, Nzambe Loba Boy, nous avons vanté Nzambe de ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que nous vantons Nzambe? On ne peut pas dire que nous avons 20 ans, mais ça n'a pas été un homme qui a 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 prière de louange. Nous avons la prière d'adoration. Et ça est différent de la prière de louange. Dans la prière d'adoration, nous adorons le fait de lui glorifier pour tout ce qu'il est. Dans l'adoration, nous avons Nzamba Ndengaza, Nzamboza Kitoko, Nzamboza Amour, Nzamboza Bien, Nzambo Kokisa Nyoso, Nzambo Loba Nyoso, Nzambo Salaka Boye, Nzambo Bongisaka Boye. C'est dans l'adoration. Il y a une prière d'adoration. Dans la prière d'adoration, nous avons élevé Nzambe. Na oyazali. Prière et remerciement, c'est différent de la prière d'adoration. La prière de remerciement, c'est adresser à Dieu pour ses bienfaits. C'est-à-dire, toujours remercier Nzambe na makambo a sali pour nanga. Nzambe merci parce qu'on peut se vie. Nzambe merci parce que na koka ki n'examen na zu n'examen. Nzambe merci parce que na balo on peut se mobile. Nzambe merci parce que na koti li balo pe singa pe bana. Nzambe merci parce que pe singa musala. C'est ça ce qu'on appelle prière de remerciement. Toza sou na prière msou on appelle la prière d'intercession. Qu'est-ce que la prière d'intercession? La prière d'intercession adressée à Dieu pour les autres personnes qui sont dans des besoins. Yo za la ke goïste, koza la ke chrétien goïste te ozo kola, ozo ba leçon na zo pesa. Po o koma mature. Aux croissance chrétienne. Croissance chrétienne de développement comme développement au col de Zokomakat na Bonzambe. Donc la prière d'intercession, c'est la prière que nous adressons à Dieu pour les autres. Nzamba Salabambo Lamu, priez pour les malades. Priez pour les gens qui sont dans les nécessités. Priez pour les gens qui sont dans les hôpitaux.
dans des prisons, dans des situations difficiles, dans des catastrophes naturelles. Il faut faire l'intercession aussi pour eux. Voilà pourquoi prière d'intercession est important pour la vie de notre Père. Tout ça, sous la prière, il y a confession. Prière à confession, il y a confession. C'est la prière adressée à Dieu pour les péchés commis. C'est-à-dire, na salagili soumou songolo pakala. Devant Dieu, je confesse mes péchés devant Dieu. Yahweh, ça a été nzambe. Limbi sangai. Na kouya ki na likambu songolo pakala. Na salagili red songolo pakala. Yokanga mawa. Nzambe wana nzambe intercession. Ako yeba ko limbi sa yo. Ya nzambe ya koya ya prière. Na kata prière à confession. Nzambe ako yebi sa limbi sa yo. Prière moussous wezali, prière de demande et de supplication. Prière à demande des anines. Prière à demande des ali. Oh yo lingo senga. On lingo supplier nzambe peso li bala. On lingo supplier nzambe a voyager. On lingo supplier nzambe a komise bisinga songolo pakala. Ozo élévation na musala. C'est ça ce que nous appelons la prière de supplication ou bien la prière de demande. Tozo chité karaté bien aimé dans le Seigneur. La prière adressée à Dieu pour des besoins personnels. Mais attention, Jacques chapitre 4, verset 3 nous reproche que nous demandons parfois mal. Tant que vous senga keba, malam sozo senga malamte. Parce que Jacques Azolo Bango, vous demandez, mais vous demandez mal. Pour avoir besoin égoïste, vous allez à 4-4 nabiso. La Bible nous autorise de tout demander. Et dans le long, on m'a Bible, le bique est bon, au senga te parti, au Bible, les autorisés, biso, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, to senga nyonso. Tokoyi ko senga besoin matériel, musala par exemple. Tokoyi ko zapena besoin spirituel, croissance spirituelle. Roi l'autre zana besoin. Il y a croissance d'un chrétien, c'est-à-dire sa croissance spirituelle. Nakola, nakola parce que nzambe koli sanga na kana kondima, nazala ona yebi malobana, yonga pena te abatu musu nga pena ebisa batuma. Nzambe koyi ko teya ko koli sa yo spirituellement, c'est un besoin spirituel. Quand et où devons-nous prier? Bien-aimés, c'est important que la Bible ne précise pas l'heure fixée de la prière, mais nous devons prier sans cesse. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est ça la croissance chrétienne. Dans la croissance chrétienne, nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de l'esprit et nous avons besoin de la foi. Soko olingo kola biloko misato ezali important na kati kati na kati kati ya bomoi na mundu. La première des choses c'est la prière, la connaissance et l'esprit. Sans la prière, sans la connaissance, la prière komema yo koma fortifié et la connaissance komema la sagesse et l'esprit okota na kati na grâce ya Nzambe. Bien aimé to chité awa bo partager vidéo. Nzambe na biso mon abino invité d'autres personnes na kati ya page na biso Facebook ou bien kené na kati ya YouTube na canal Penel TV okuta matin na biso. En tout cas Nzambe na bomoi a mon abino biskano so bozali Nzambe mon abino ba contact na biso ezali Penel canal TV na YouTube pe na Facebook to zana major kadé mabanza soki okoti invité d'autres personnes pour que tous à la biseau nous soient abonnés na combo na Esmasia. Tout bon délire na combo na Esmasia. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce parce qu'aux ensemble. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre tous à la bas mature. Voilà pourquoi nous voulons que na quatre na formation au tous au Pessa. Nous avons affermissement. Yomoro nous avons affermir batu. Mouta affermissement batu zayo. Nous ne sommes qu'un canal aux utilisés. Batu nous sommes allés na biseau Seigneur. Atatali seconde. Mais seconde, nous allons nous faire ça comme un exemple, Seigneur. Afin que tout dépeuple le fait, nous allons nous faire ça. 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 Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, encore une fois, shalom. Shalom, nous allons nous faire ça. Nous allons nous faire ça. Nous allons nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous faire ça. Nous allons nous faire ça. Nous allons nous faire ça.